Bonjour, je m'appelle Anaïs et voici notre 20e dialogue dans le cadre de ce défi de 30 jours de communication. Si tu es arabe, la traduction tu la trouveras vers la fin de la vidéo. Sébastien, vous pouvez passer dans mon bureau s'il vous plaît? J'arrive tout de suite. Vous vouliez me voir? Oui, j'ai une mission importante à vous confier. Oui, de quoi s'agit-il? Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Oui, le directeur Suzuki Corporation. Exactement. Il ne s'agira pas du directeur en personne, mais de son fils. Et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l'organisation de son séjour. Je ne parle pas couramment japonais. Je connais seulement quelques mots. Oui, et c'est déjà beaucoup. Notre client va apprécier. Vous avez jusqu'à vendredi pour préparer son séjour. Entendu. Je dois l'accompagner pendant ces 3 jours. Oui, je veux qu'il garde un souvenir inoubliable de son séjour à Paris. Alors, faites ça bien, je compte sur vous. Avez-vous bien compris le dialogue? Eh bien, nous allons le revoir, mais en conditions réelles. Sébastien, vous pouvez passer dans mon bureau, s'il vous plaît? Oui, j'arrive tout de suite. Vous vouliez me voir? Oui, j'ai une mission importante à vous confier. De quoi s'agit-il? Vous savez que notre client japonais doit nous rendre visite la semaine prochaine. Oui, le directeur de Suzuki Corporation? Exactement. Il ne s'agira pas du directeur en personne, mais de son fils. Et comme je sais que vous parlez japonais, vous allez vous occuper de l'organisation de son séjour. Je ne parle pas couramment japonais, je connais seulement quelques mots. Oui, c'est déjà beaucoup. Notre client va apprécier. Vous avez jusqu'à vendredi pour préparer son séjour. Entendu, je dois l'accompagner pendant ces 3 jours. Oui, je veux qu'il garde un souvenir inoubliable de son séjour à Paris. Alors faites ça bien, je compte sur vous.
N'oublie pas de t'abonner parce que c'est une série continue et parce qu'elle risque vraiment de changer le cours de ta vie scolaire, universitaire ou même professionnelle. Au revoir!